Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui on va faire un nouveau type de vidéo sur ma chaîne que d'habitude je ne fais jamais mais je trouve ça hyper intéressant parce que je regarde des vidéos dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse plus de vidéos de ce genre là, on parle des secrets, des théories sur Brookhaven etc etc. J'ai des gens qui m'en donnent régulièrement, qui me donnent des petits secrets, des petits glitchs, des endroits cachés, des secrets. Ils ont pas mal de théories à partager, donc ça vous intéresse, j'en ferai plus. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, pour ce petit... Alors, il y a des gens qui appellent ça un secret. Moi, j'appellerais ça plutôt un petit glitch. Par contre, si vous faites ce glitch sur Brookhaven, je pense que si vous faites un cache-cache, jamais personne ne vous trouvera, les gars. Voilà, je mettrai la vidéo source qui m'a permis de le refaire, parce qu'on m'en a parlé, mais honnêtement, c'est toujours plus facile de regarder une vidéo pour le faire. Donc... voilà, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Et on va aller du coup vers là-haut. Alors je suis désolée, hein, c'est la première fois que ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Que je pilote un hélicoptère, c'est pas un truc que je fais de base. Alors il faut passer au-dessus de la grange. Il faut descendre en bas et remonter comme ça pour prendre de la hauteur. On passe juste au-dessus ici. Voilà. Et ensuite, on va descendre. Vous inquiétez pas, on va pas se crasher. Bon, je l'espère. Voilà. Et là, hop. On est en dessous de la map. Bon, je vais un peu ralentir parce que je vais un peu vite. Et normalement... hop. On va remonter un petit peu. Et on est en dessous de la map. Regardez, voilà, exactement là où on doit être. Et on va continuer par là. Parfait. Voilà, donc là, on se retrouve en dessous de la map. Alors déjà, là, pour vous trouver, force à vous. Hein, si vous jouez un cache-cache, jamais de la vie, on vous trouve. Ça, c'est sûr. Mais il y a des trucs sympas qu'on peut découvrir en dessous de la map. Des fois, peut-être après, je pense que cette technique est hyper intéressante si on la fait juste après une mise à jour. Genre quand ils rajoutent du nouveau contenu. Peut-être que ça peut nous dévoiler certains endroits qu'on ne voit pas normalement. Donc je vais ralentir pour pouvoir profiter un petit peu. Alors ici c'est quoi? C'est pas l'école normalement? C'est le mécano-shop peut-être? Ah si si, attendez, je ralentis. Ça, il me semble que c'est la pièce cachée du mécano-shop. Donc par exemple, vous voyez, je pense que cette technique, comme quand il y a du nouveau contenu, nous permet de savoir s'il y a des pièces cachées en dessous des bâtiments. Et ensuite, on peut chercher les pièces cachées normalement, avec la technique habituelle. On rentre dans la maison, on essaye des petits changements de... enfin, on clique partout, on cherche des boutons. C'est super intéressant. Et là, il y a la piscine, donc on va aller se cacher dans la piscine. Donc dans la vidéo, la fille, elle se cache dans la piscine, je trouve ça... je trouve ça cool quand même, mais c'est un peu creepy quand même. Allez, on va aller un peu plus vite. On va aller dans la piscine. Hop. Oh, regardez, c'est... regardez. On va rentrer dans la piscine avec l'hélicoptère. Voilà. Oh, regardez. Oh là, faut pas que je tombe, je pense. Faut pas que je tombe, mais regardez. L'hélicoptère, il s'est crashé. Ok. Ah ouais, 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 je suis vraiment dans la piscine, là. Par contre, vous pouvez pas... vous pouvez pas aller vraiment dans la piscine, là. Enfin, vous pouvez pas ressortir dans la piscine. Ah, oh, on peut espionner les gens. On peut espionner les gens, là. Clairement, là, il y a des gens, on les espionne. Regardez, on voit les gens bouger et tout. Par contre, eux, ils nous voient pas, les amis. Alors, est-ce qu'on peut faire d'autres trucs, genre... alors, j'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi. On va essayer de faire le tour de la piscine. On voit ce que ça nous mène. J'ai un peu peur qu'en fait là... oh non, je suis tombée en dessous de la map. Mais il me semble qu'on peut aller un peu plus loin dans la piscine. Il y a un endroit où on peut passer. Et bon. Là par contre... ah ouais, ça me remet ici. Mais ouais, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, plutôt on était juste là. Oh, ça me fait rigoler les gens qui sont sur tablette et sur téléphone. Ils peuvent marcher. Moi sur PC, je peux pas. Mais ouais, c'est... on était juste là. On était coincés juste ici. Dans ce coin là. Voilà, bah en tout cas j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu et bon après en vrai c'est un peu de la triche si vous faites ça pendant une partie de cache-cache, hein. C'est vraiment de la triche, là c'est vraiment le glitch. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, dites-moi si vous en voulez un petit peu plus de ce genre de vidéo sur la chaîne. Moi sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bisous à vous et ciao ciao.